seulement autorisé depuis le mois de septembre 2003. Et donc, demain soir, ce sera seulement le quatrième championnat de France de l'histoire. Il y en a eu deux dans la catégorie des poids coqs. Le premier, c'était au mois de décembre 2008. Il était aux prises Nadège Sikora face à Isabelle Leonardi, que vous connaissez, qui est venue boxer à Saint-Nazaire face à Julie le 10 avril dernier. Isabelle Leonardi a été nommée une saute, elle avait perdu la première fois avec le monde Jean-Louis Bernier, elles se connaissent, elles se sont déjà rencontrées pour la première ceinture de la catégorie des superplumes. On lui donne du courage, l'ambition, la détermination, mademoiselle Julie Robert. Presque faire les poids légers, oui. 62 kilos. Combien tu m'as dit Julie Robert. On se prépare depuis le 31 janvier parce qu'on sait qu'on va reboxer ensemble l'une et l'autre. J'ai fait un combat de préparation depuis, 15 jours après. C'était un petit peu court parce que c'était une adversaire assez rude que j'avais en face. Après, on aurait dû avoir un combat de préparation contre une Espagnole. Nous sommes allés à Pau boxer. Et la fille, le jour J, on a appris qu'elle n'était pas là. Donc voilà, on accentue un petit peu du sparring sur Paris avec Isabelle, avec Myriam et avec Nassira, avec qui j'ai été faire un petit peu de sparring la semaine passée. Et sinon, on est arrivé aujourd'hui pour aller boxer contre Julie pour ce match revanche et la remise du titre en jeu demain le 8 mai. Voilà, bien accueilli à Saint-Nazaire, super sympa, cadre sympa, les gens sont sympathiques et voilà, Julie est sympa aussi. Et demain, on va se boxer, ce sera à la guerre. Voilà. Bien dans ma tête parce que déjà on se connaît donc il n'y a plus l'appréhension de savoir comment ça boxe. Mais bon après il y a toujours l'appréhension parce que je veux bien faire, en plus je suis chez moi donc je sais que les gens ils vont m'attendre. Et puis j'ai une revanche à prendre donc j'espère que ça va bien se passer pour moi. Il y a une stratégie qui a été faite avec Stéphane, qui a été travaillée à l'entraînement. C'est sûr qu'on a travaillé les erreurs que j'ai commises au mois de janvier contre elle. Des erreurs techniques, j'ai continué à travailler le physique, à aller courir, à intensifier les entraînements et puis j'espère que ça va payer demain. Voilà, le principal serait de mettre la stratégie en place demain. C'est ça, ouais. Et puis que ça fonctionne et puis que je me fasse plaisir et puis que j'arrive à appliquer ce que j'ai appris avec Stéphane et puis Merci Julie, c'est le courage pour nous. Merci. Du coup, ce soir, on a travaillé à Coup contre Bastien Laforge, un adversaire que je connais plus ou moins parce que je l'ai vu. Il avait servi de sparring partner à Moshipo, à Arcachon, donc on s'était côtoyés, on a même fait connaissance. Et là, on se retrouve autour d'un ring demain soir. Donc voilà, je suis entraîneur de boxe, chauffeur poids lourd. Chez AMI, Société d'assainissement, la semaine et tous les soirs, je suis entraîneur du Ring Libournais. Donc, je suis aussi le président de ce club et j'aurai la chance demain d'avoir trois de mes élèves qui vont boxer ce soir à Saint-Nazaire. Donc, voilà, et j'espère quand même gagner cette rencontre pour le club, pour la notoriété du club, pour amener un petit titre, même si c'est des minimes, un petit titre, pour voir que, pour que les jeunes. Puisse voir que le vieux, plus ou moins, en a encore sous les semelles et j'espère un de ces jours combattre contre mon très 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 cher ami Christopher Sébir, qui est champion de France des super légers. Et j'espère que j'aurai l'opportunité d'être son challenger et j'aurai le plaisir de l'accueillir, j'espère, à Libourne ou dans une communauté voisine. Donc voilà, j'espère que j'aurai cette chance parce que 30 combats professionnels, ne jamais faire les super de France. En gagnant
même pas mal de combats à l'extérieur, à l'étranger. Bon, certes, bon, enfin bref, j'ai plus rien à dire. Alors Bastien, prêt pour ton combat? Je suis prêt pour mon combat, je suis bien entraîné, j'ai bien préparé tout ça, j'ai les gens qui m'aident, Roland, Stéphane, Cazo, et tout le monde à Saint-Nazaire est prêt à me voir gagner, et donc je vais tout faire pour gagner, pour leur rendre tous les services qu'ils me donnent en fait. Merci bien à tous.